السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله الحصة سأخصصها للمستوى الثاني بكالوريا في تقديم واحد نموذج ديال الامتحان في مادة الرياضيات، موضوع يتعلق بدراسة الذرة، ولكن هذا الموضوع شامل بطبيعة الحال. ارتأيت أن أتقاسمه معكم لأنه يتضمن مختلف الأسئلة التي تطرح على شكلتها في الامتحان الوطني، وأقول بأن دراسة هذه الدالة فهي دالة مميزة. لماذا؟ لما أنها تتضمن بعض الأسئلة التي نادرا ما تعطى لها الأهمية من طرف الطلبة. إذن سأترككم مع الموضوع، لكم الوقت الكافي لتوقيف الفيديو وقراءة الموضوع بتأنٍ ثم الإجابة عنه بطبيعة الحال اعتمادا على ما درستموه. إذن فهذه النوعية من الأسئلة أو امتحانات تكون أحيانا صعبة للإجابة لأن الطلبة لم يألفوا مثل هذه النوعية من الأسئلة. إذا حتى لا أطيل عليكم، on va lire d'abord. Considérons une fonction définie par f de x égale à x plus 1 moins l'exponentielle moins x au carré plus 1 exponentielle de x. Alors, on vous donne la courbe représentative d'unité de centimètre. Alors, premièrement, calculer la limite en moins l'infini. Vous pouvez poser f de x égale. Montrer que la droite d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Montrer que la courbe c de f au-dessous de la droite delta. Calculer la limite de f dx en plus l'infini. Étudier la nature de la branche infinie. Montre que f prime égale. On vous donne, question 4, on vous donne un tableau de variation de la fonction f prime. Je dis de la fonction f prime et la courbe représentative de la courbe f prime. Voilà, ça c'est une question c'est très rare de vous poser ce nombre de questions. Alors il faut faire très attention à ce genre de questions parce que c'est fort possible que ça soit cette année par exemple. Alors justifier que la fonction f admet un extrémum au point d'abscisse 0 est-il un maximum ou bien un minimum? Montrer ou bien prouver que f est strictement croissant sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement décroissant sur 0 plus l'infini. Donc voilà la deuxième partie. Donner le tableau de variation de la fonction seconde f seconde. Déduire la concavité. Calculer la dérivée de la fonction et déterminer la primitive de f qui s'annule en 0. Construire la courbe. Soit m un point appartenant à R. Discuter selon les valeurs de m le nombre de solutions de la fonction f de x égale à m. Deuxième partie, on vous donne une suite qui est liée à la fonction, bien sûr. On vous donne un plus 1 est égal à f du un plus un. Montrer que un est inférieur ou égal à 0. Montrer que la suite est décroissante et déduire que la suite est convergente et déterminer soigneusement sa limite. Donc voilà les questions. Donc vous prenez le temps nécessaire pour relire ce sujet-là et essayer de répondre à ces questions-là. Alors, je passe maintenant à la correction. Donc, la première partie était, voilà, et on vous donne la fonction, je vais l'écrire ici pour qu'elle soit bien plus claire. Donc, f du x égale x plus 1 moins x au carré plus 1 exponentielle du x. Alors, la première question, c'était de déterminer la limite de f du x en moins l'infini. Alors, on vous a donné, bien sûr, comment raisonner. Donc ici, moins l'infini, donc x plus 1, vous allez laisser tel qu'il est, moins 4x sur 2, exponentielle de x sur 2, au carré, moins exponentielle de x. Alors vous pouvez utiliser soit ce qu'on vous donne pour vous aider, soit vous pouvez même décomposer bien sûr cette fonction-là, de la développer, et vous allez trouver le même résultat. Alors vous avez ici une fonction de type t exponentielle de t, lorsque t tend vers l'infini, donc c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, elle reste x plus 1, donc c'est moins l'infini. Alors, on va passer maintenant à la question B. Montrer que la droite d'équation. Donc, il faut alors chercher d'abord f de x moins y, c'est-à-dire moins x plus 1, qui est égal à moins x au carré plus 1 exponentielle de x. Ça, c'est moins x au carré exponentielle de x moins exponentielle de x. Vous savez bien sûr que ça, c'est la limite d'yellow, c'est 0, et ça, c'est 0. C'est-à-dire que la limite de f de x moins x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini est égale à la limite
en moins l'infini, 2 moins x carré exponentielle de x moins exponentielle de x, donc est égal à 0, ce qui prouve que la droite delta d'équation y égale à x plus 1, c'est bien une asymptote oblique. Donc voilà une asymptote oblique de ACF au voisinage. Il faut toujours terminer la phrase au voisinage de moins l'infini. Alors maintenant, on va passer à la question C. C'est montrer que la courbe, donc c'est-à-dire on va parler de la position relative par rapport à delta. C'est-à-dire on va chercher, bien sûr, on a déjà cherché f du x moins x plus 1. Donc on a trouvé égal à quoi? Est égal à moins x au carré plus 1, l'exponentielle du x. C'est bien ça. Et vous savez que l'exponentielle du x est toujours positif. X au carré plus 1 est toujours positif. Alors cela veut dire que f de x est inférieur à x plus 1. Autrement dit, la courbe C de f sera toujours au-dessus de delta. Donc voilà pour cette question. Maintenant, on va passer à la question 2. La voilà. Calculer limite de f de x en plus l'infini. Toujours, on vous donne des choses qui vont vous aider. Donc, c'est x facteur de 1 plus 1 sur x moins x plus 1 sur x exponentielle de x. Vous savez que ça tend vers 0. Donc, ça, c'est plus l'infini. Donc, ça, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini. N'oubliez pas que vous avez ainsi un moins. Donc, ça, c'est 0. Et ça, c'est plus l'infini. Alors, plus l'infini fois moins l'infini. Donc, ça vous donne moins l'infini. Alors, question B, pour étudier les branches infinies, donc il faut chercher la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est-à-dire c'est la limite en plus l'infini de ce qui reste, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x moins x plus 1 sur x, et qu'on a déjà trouvé, c'était moins l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Alors, maintenant, on va passer à autre question. C'était la dérivée. Montrer que f' égale. Bien sûr, il faut toujours noter que la fonction f en question est une fonction dérivable, puisqu'elle est composée de deux fonctions x plus 1 qui est dérivable sur R, et la fonction moins x carré plus 1 exponentielle de x qui est dérivable sur R. Donc vous avez donc la somme de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Et par conséquent, f' égale. Alors là, je n'ai pas écrit la phrase que je vous ai notée maintenant oralement. Il faut l'écrire quand même parce que c'est très intéressant. Alors f', je vais la faire directement. Le calcul de x plus 1, la dérivée de x plus 1, moins x au carré plus 1 exponentielle de x. Alors, de la même manière, je dois chercher sa dérivée. Or, la dérivée de x plus 1, c'était 1. Il me reste la dérivée d'un produit, donc c'est 2x exponentielle de x, plus x au carré plus 1 fois la dérivée de l'exponentielle de x. Donc, ça va me donner 1 moins 2x plus x au carré plus 1 fois l'exponentielle de x. Donc, soit, disons, 1 moins x plus 1, ça c'est une identité remarquable, donc x plus 1 au carré exponentielle de x. Alors là, normalement, ça c'est une question, donc on va passer à la question 4. Donc là, il faut trouver le signe de cette fonction-là. Alors, pour trouver le signe de cette fonction, c'est une fonction très difficile, vous n'arrivez pas à trouver le signe de cette fonction. Alors, c'est pour cette raison qu'on vous aide en exploitant bien sûr le tableau de variation de la fonction f' et de sa courbe représentative, que vous pouvez arriver bien sûr à montrer ce signe de f'. Alors, première question était de montrer que f admet un maximum. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Donc, si je prends quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini. Alors, si je considère seulement cet intervalle, moins 1 plus l'infini, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est que
f' de 0 égale à 0. Alors, vous remarquez que sur cet intervalle-là, vous avez une fonction f' qui est décroissante. Ça, c'est à noter. Alors, si vous cherchez l'image par f' de l'intervalle moins 1 plus l'infini, vous allez trouver à partir de votre table de variation, c'est moins l'infini, 1. Et comme ici, 0 appartient à cette image, ça veut dire qu'il existe donc un certain alpha appartenant à moins 1 plus l'infini, tel que f' de alpha égale à 0. Alors ça, je parle d'une façon générale, mais vous pouvez dire que ce alpha-là n'est que le point 0. Alors alpha égale à 0, donc vous remarquez que f' de 0, si vous cherchez même la dérivée, vous allez trouver égal à 0, donc d'après le tableau de variation et même d'après le coup, parce que vous avez ici f' de 0 est égal à 0. Donc ça, vous pouvez le remarquer soit à partir de votre courbe, soit à partir du tableau de variation. Alors, si je reviens, donc on a dit que f' de moins 1 plus l'infini est égal, si f' de moins 1, 0. Donc, si je prends le point moins 1, 0. Donc, la fonction, elle est bien décroissante. Donc, ça va me donner 0, 1. Ah, faites attention parce que la fonction est décroissante. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins 1, 0, vous aurez tout le temps f' de x appartient à cet intervalle-là, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Par contre, si vous cherchez l'image de 0 plus l'infini, qui est égal à moins l'infini 0, ça veut dire donc que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez f' de x est inférieur ou égal à 0. Donc ça, c'est le signe de la dérivée. Alors, autrement dit, si je passe maintenant à faire un tableau de variation, même si cela n'était pas demandé, tout simplement pour vous éclaircir les choses, donc voilà x. Donc, si je m'intéresse uniquement à l'intervalle moins 1 plus l'infini, alors entre moins 1 il y a un 0. Donc, voilà. Donc, ici on a dit qu'il est positif. Ici on a trouvé négatif. La dérivée s'annule ici. Donc, voilà f' de x. Voilà f de x. Alors, je dis je m'intéresse uniquement à moins 1 plus l'infini. Donc, vous remarquez que ici vous avez plus. Ici, donc voilà le tableau de variation avec f de 0 est égal à 0. Donc, à partir de votre tableau de variation, vous remarquez que 0 est une valeur, donc est une valeur maximale. Donc, ça veut dire premièrement que 0, on peut dire qu'est un extrémum. Pourquoi? Parce que la dérivée en 0 égal à 0. Alors il faut quand même, à partir de notre tableau, on remarque que quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, vous remarquez que f', ou bien f de x, il est toujours supérieur, pardon, inférieur ou égal à f de 0. C'est-à-dire f de x est inférieur à 0. Alors, voilà. On a dit que la valeur 0 est une valeur maximale et que f de x est inférieur à 0 dans cet intervalle-là. Donc on a montré qu'il s'agit d'un extrémum, qu'il s'agit bien sûr d'une valeur maximale. Alors si je passe maintenant à la question C, je pense. La question C, c'était, voilà, prouver bien sûr que, donc on va passer à la monotonie. Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on a f' de x, il est positif. C'est-à-dire que la fonction ici est croissante, f est donc strictement croissante sur cet intervalle, et que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez f' de x, on a trouvé, elle est négative, c'est-à-dire que la fonction est strictement décroissante. Alors, si je dresse le tableau
de variation, j'aurai ici f' de x et f de x. Mais cette fois-ci, je vais trouver le domaine de fonction c'était R. Alors, la dérivée s'annule au point 0, c'est-à-dire en droit d'une tangente. On a trouvé donc une plus, ici moins. Donc voilà votre tableau de variation. Il faut bien sûr le compléter avec f de 0 est égal à 0. Alors, donnez le signe, le tableau de signe de la fonction f seconde. Donc, le tableau, bien sûr, donnez le tableau de variation de signe de f seconde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est-à-dire d'après le tableau de variation ci-dessus, de f prime, de f de x, il y a de f prime ou bien de f d'x, on déduit le signe de f seconde. C'est-à-dire, si je vais prendre une autre page, alors ici voilà, ça c'est une question assez délicate. Donc vous avez x, donc moins l'infini plus l'infini, et vous avez f seconde. Alors, qu'est-ce qu'on vous a? Donc, si on revient à notre courbe, parce que si là, il faut revenir à la courbe. Regardez bien ici, vous avez f adna moins 3 ou adna moins 1. Alors, la fonction ici, f seconde, donc f prime, elle est décroissante. Et qui dit décroissante, ça veut dire que f seconde, elle est négative. Ici, la fonction, elle est f prime, elle est croissante. Ça veut dire que f seconde est positif. Ici, elle est la fonction f prime est décroissante. Ça veut dire que f seconde est négatif. Alors, on va traduire cela dans le tableau qu'on a déjà tracé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, vous avez le point moins 3, vous avez le point moins 1 et vous avez le point 0. Alors, ici, on a dit négatif. Et aussi, on a trouvé plus. Et aussi, on a trouvé moins. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici, c'est f seconde. Donc, on va en même temps parler de la concavité. Alors, parler de la concavité, puisqu'ici, f seconde est négatif, c'est-à-dire que votre courbe sera vers le bas. Ici, ce sera vers le haut, ici, ce sera vers le bas. Donc voilà, on a répondu à deux questions, bien sûr, en même temps. Alors ici, vous pouvez remarquer qu'en point moins 3, la fonction f seconde, ça change de signe, tantôt positif, tantôt négatif. Et l'on est de même pour moins 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la dérivée seconde s'annule au point moins 3 et moins 1. Ça veut dire que vous avez deux points d'inflexion à noter, I1. Moins 3 dans l'image, il est donné par le sujet. Et vous avez l'autre point seconde, c'était moins 1, moins 0,75. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Je pense qu'il nous reste le traçage de la courbe. Alors je vais voir. Donc voilà, on a donné prouvé que la fonction dans le tableau de signe de la fonction, déduire la concavité. Voilà. Voilà tout ça. On a répondu à ce genre de questions. Donc il nous reste maintenant. On va parler de le traçage. Donc, il faut d'abord répondre à la question 5. Alors, à la question 5, on vous dit, voilà, calculer la dérivée de la fonction x carré moins x exponentielle du x. Alors, c'est très simple de chercher la dérivée. Alors, vous avez ici un produit, la dérivée de x carré moins x, c'est 2x moins 1, fois l'exponentielle du x plus x au carré moins x exponentielle de x. Alors, c'est-à-dire l'exponentielle du x facteur de 2x moins 1 plus x carré moins x. Ou bien l'exponentielle de x fois x au carré plus x moins 1. Alors, pour nous avons f de x égale x plus 1 moins x au carré plus 1, l'exponentielle de x. C'est-à-dire x plus 1 moins x au carré exponentielle de x moins l'exponentielle de x. Alors, si vous remarquez bien, vous avez x carré moins x fois l'exponentielle de x. La dérivée, c'est x au carré exponentielle de x plus x
exponentielle de x moins exponentielle de x. Et vous avez f de x égale. Donc, et vous avez f de x égale x plus 1 moins x carré exponentielle de x moins l'exponentielle de x. Autrement dit, si vous ajoutez ces deux relations 1 et 2, vous allez obtenir x au carré moins x exponentielle de x plus la dérivée de ça, plus f de x est égal donc x plus 1 plus x exponentielle de x moins 2 exponentielle de x parce que x carré ça sera éliminé. Alors, notre but, c'est de déterminer la primitive de la fonction. Donc, il faut quand même chercher f de x. Donc, f de x sera donc quoi? Sera x plus 1 plus x exponentielle de x moins 2 exponentielle de x moins la dérivée de x carré moins x l'exponentielle de x. Donc, voilà, ça c'est une question assez difficile. Donc, pour trouver la primitive de la fonction, il faut chercher l'intégrale de ce genre de fonction. Alors, je vais la réécrire dans une autre page. Donc, on a f de x est égal à x plus 1 plus x exponentielle de x moins 2 exponentielle de x moins x au carré moins x exponentielle de x. Voilà. Alors, à partir de là, f de x sera donc l'intégrale de x plus 1. L'intégrale de x, c'est x au carré sur 2. Je la fais directement. Plus l'intégrale de 1, c'est x, moins, je garde celle-ci, donc c'est moins 2, l'intégrale de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, voilà. Alors ici, puisqu'il s'agit de la dérivée, ça garde, je la garderai la même, il y a moins x, l'intégrale de f', f. Donc il faut chercher donc l'intégrale de x exponentielle de x dx. Alors là, c'est-à-dire que pour chercher l'intégrale, donc je vais poser u égale x et v prime égale l'exponentielle de x. Ça veut dire que u prime égale à 1 et v égale à exponentielle de x. Et par suite, l'intégrale de x exponentielle de x dx sera tout simplement x exponentielle de x moins l'intégrale de u prime v, c'est-à-dire moins l'intégrale d'exponentielle de x, donc je la fais directement, c'est-à-dire j'aurai égal à quoi? Est égal à x exponentielle de x moins exponentielle de x, bien sûr, plus une certaine constante. C'est-à-dire que f de x sera donc égal x carré sur 2 plus x moins 2 exponentielle de x moins x au carré moins x exponentielle de x plus x exponentielle de x moins exponentielle de x plus une constante. Alors, si vous développez, vous remarquez bien ici, vous avez moins exponentielle de x moins donc exponentielle de x. Donc, vous allez faire votre développer votre calcul. Donc, f de x finalement, j'aurais trouvé x au carré sur 2 plus x parce que ça donne moins 3 exponentielle de x moins x au carré exponentielle de x plus 2x exponentielle de x plus une constante c. Donc voilà votre primitive. Alors on vous demande de chercher la primitive qui s'annule au 0. Donc f de 0 est égal à 0. Ça veut dire que tout ça égal à 0. Moins 3 exponentielle de 0 c'est moins 3. Plus il reste plus c, ça elle va s'annuler. Donc égal à 0. Ça veut dire que c égale à 3. Et par conséquent, f de x sera donc égal à x au carré sur 2 plus x moins 3 exponentielle de x moins x au carré exponentielle de x plus 2x exponentielle de x plus 3. Donc voilà votre primitive. Donc je pense, bien j'espère que ce résultat est bien correct. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes pour déterminer la primitive, mais je vois que c'est une méthode assez simple. Alors je passe maintenant à ce qui reste. Pardon. Alors, il y a une question, construire la courbe. Donc, on va construire la courbe. On a déjà construit la courbe. Voilà, je vais vous montrer comment construire la courbe parce que c'est très difficile à construire, bien sûr, cette courbe. Il est difficile du fait qu'il y a deux points d'inflexion. Et donc, il faut faire très attention à cela. Donc, voilà, vous avez l'axe des x
et voilà l'axe des Y. Alors, on a dit, pour montrer une fonction, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vous. Donc, en point 0, il y a une demi-tangente qui est horizontale parce que la dérivée, elle s'annule au point 0. Vous avez premier point d'inflexion, c'est TI1, moins 3, dans l'image, c'est moins 2, 25. Et vous avez I2, un point d'inflexion, moins 1, et dans l'image, c'est moins 0,75. Alors, voilà. D'après ce que nous avons étudié en ce qui concerne la position relative, on a dit que entre moins l'infini et moins 3, vous aurez une courbe qui est vers le bas. Ici, entre moins 3 et moins 1, c'est-à-dire d'après la concavité, donc vers le haut, et entre moins 1 et plus l'infini, vers le bas. Bien sûr, n'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction Y. Quand même, il ne faut pas oublier l'asymptote oblique qu'on a déjà tracé d'équation y égale à x plus 1, et on a parlé de la position relative, on a dit qu'il est toujours sous cette droite delta. Alors voilà votre courbe, j'espère que vous pouvez bien sûr la tracer soigneusement si vous voulez choisir d'autres points pour que ça soit plus clair. Alors je passe à ce qui reste. Maintenant, vous avez cette fonction, elle est liée à une suite. Alors, qui dit lié à une suite? Donc, la première question, c'était de montrer par récurrence que un est inférieur ou égal à 0. Alors, pour répondre à cette question, vous devez passer par deux étapes. Donc, puisque n appartenant à n, vous pouvez choisir n égal à 0. Donc, vous remarquez que u0 est égal à moins 1 et moins 1, il est bien inférieur à 0. Donc, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va passer à la deuxième étape. Supposons que un est inférieur ou égal à 0, et on va montrer que un plus 1, il est bien aussi inférieur à 0. Alors n'oubliez pas que un plus 1 est égal à f de un plus un. On a dit que quel que soit x appartenant à moins l'infini, 0, on a bien remarqué d'après la courbe que f de x est inférieur ou égal à 0 et on l'a signalé même théoriquement. Alors par analogie, comme un est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de un sera aussi inférieur ou égal à 0. Alors dire que f de un égal à 0 et on a déjà un inférieur ou égal à 0, voilà, c'est-à-dire que la somme f un plus un sera elle aussi inférieure ou égale à 0. Or, f un plus un n'est autre que un plus 1. Donc voilà, on a bien montré que un plus 1 est inférieur à 0. Alors, pour maintenant étudier la monotonie, il faut faire ou bien étudier le signe de un plus 1 moins un, à savoir un plus 1 moins un n'est autre que f de un. Et comme on a dit que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, on a f de x est inférieur ou égal à 0. Par analogie, comme un appartient à cet intervalle, il en est de même f de un inférieur ou égal à 0. Qui dit f un inférieur ou égal à 0? Donc, c'est-à-dire que f de un, c'est quoi? C'est un plus 1 moins un. C'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un. Et cela veut dire que un, vous avez une suite décroissante. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Donc, vous avez une suite décroissante. Alors là, ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, un sera donc supérieur ou égal à u0. Comme u0 égale à moins 1, donc, ça veut dire tout simplement que un, vous savez, déjà, on a étudié un, on a dit un est inférieur à 0, et on a un est supérieur à u0, est supérieur à moins 1. Ça veut dire que un est compris donc entre moins 1 et 0. Alors, le fait que un est une suite décroissante, il est minoré par moins 1, normalement, il est borné. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'elle est minorée par moins 1. Donc, ça veut dire que n est une suite convergente. La question, dernière question, c'était de montrer
déterminer sa limite. Donc on a montré que c'est une suite convergente. Alors déterminer sa limite. Alors je sais que la limite d'une de la suite UN représente la solution. Ça, c'est votre cours qui parle. Solution de l'équation f de x égale à x. Il y a d'autres qui font, par exemple, si je choisis, donc si je dis par exemple, soit L, la limite de un lorsque un tend vers plus l'infini. Et l'on est de même, L, c'est la limite de un plus 1. Alors, en résolvant l'équation f de x égale à x, c'est-à-dire limite de f de un plus un, ou la limite de un plus 1, est égale à la limite de un. Or, la limite de un, c'est quoi? C'est L. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que L, f de un, c'est quoi? L plus 1 moins L au carré plus 1, l'exponentielle de L, égale à L. C'est-à-dire, on va s'imprimer ça. On aura donc L plus 1 moins L au carré plus 1, l'exponentielle de L, égale à 0. Alors, on remarque bien sûr, donc L, puisque ça se limite, sera donc soit égal à moins 1, soit égal à 0. Donc, L égale à 0, vérifie bien cette équation. Et par conséquent, la limite de un lorsque un tend vers plus l'infini est égale à 0. Et donc, j'espère que ce résultat est bien correct. S'il y a une erreur quelque part, je vous demande pardon. Alors, essayez bien de répondre, de refaire cet exercice. Donc, c'est un sujet très intéressant. Ça englobe les différents types de questions qu'on vous posera le jour de l'examen. Alors, essayez de le refaire. Et si vous voulez d'autres exercices plus compliqués que cela, vous pouvez entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur la playlist concernant les types de fonctions ou bien les complexes ou bien autre chose dans votre programme et vous allez trouver les choses qui vont faire, bien sûr, vous familiariser, laisser familiariser avec ce genre de questions. Alors, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.